Caractéristique de la race de Gordon setter. Le plus lourd des setter, le Gordon est solidement construit et capable de résister à une longue journée active. Il a besoin de beaucoup d'exercices rigoureux chaque jour pour être heureux et en bonne santé. Le Gordon setter prospère dans une maison vivante et active. Histoire de la race de chien Gordon setter. Les Black and Tan setter existaient en Écosse au moins dans les années 1600, mais ce n'est qu'à la fin des années 1700 que la race s'établit sous le nom de Gordon Castle setter. Le quatrième duc de Gordon, 1743-1827, a gardé plusieurs de ses chiens dans son château de Gordon, bien que la plupart d'entre eux soient apparemment noirs, bronzés et blancs. Les efforts pour élever les meilleurs setters à Gordon Castle se sont poursuivis grâce aux efforts du duc de Richmond après la mort du quatrième duc. Black and Tan setter, comme ils ont été initialement nommés, ont été montrés lors de la première exposition canine jamais organisée, en 1859. Le nom a été changé en Gordon setter en 1924. Gordon setter sont les plus lourds et les plus lents des races de setter, et cette distinction a été accentuée lorsque Gordon est entré pour la première fois sur le ring. En 1875, la tendance vers un spectacle trop lourd Gordon a été stoppée en grande partie grâce aux efforts d'un seul homme, Robert Chapman. Contrairement à de nombreuses races sportives, il existe peu de division entre les Gordons de type spectacle et de terrain. Daniel Webster et George Blunt ont amené les deux premiers Gordons en Amérique en 1842. Les chiens, nommés Rack et Rachel, ont été obtenus à partir du stock du duc et ont fondé la race en Amérique. Le Gordon setter a été parmi les premières races reconnues par l'AKC, recevant le signe de tête en 1892. Tempérament de la race de chien Gordon setter. Le Gordon setter est un chien oiseau capable de travailler de près. Il peut courir toute la journée et ce type d'énergie a besoin d'une prise régulière où le chien est susceptible de devenir frustré. Les Gordons sont des compagnons vifs et enthousiastes et ont besoin de la compagnie de gens vivants. Un peu plus protecteur que les autres setters, il est réservé envers les étrangers et parfois agressif envers les chiens étranges. Il s'entend généralement bien avec les autres animaux de la famille. Le Gordon a gagné sa réputation de chien de famille dévoué. Entretien de la race de chien Gordon setter. Le Gordon a besoin de beaucoup d'exercices intenses tous les jours pour rester en forme. Son pelage doit être brossé et peigné régulièrement tous les 2 à 3 jours. De plus, un peu de coupure et de rognage est nécessaire pour une belle apparence optimale. Santé de la race de chien Gordon setter. Préoccupation majeure, CHD, torsion gastrique. Préoccupation mineure, ARP, dysplasie du coude, amyotrophie cérébelleuse, hypothyroïdie. Occasionnellement vu, aucun. Test suggéré, hanche, coude, œil, ADN pourpre. Durée de vie, 10 à 12 ans. Avertissement concernant la race de chien Gordon setter. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.